Soissons, c'est une ville de 30 000 habitants située dans la région des Hauts-de-France. Une ville qui fait le pari de sa jeunesse. Et c'est vrai que je suis fier que Soissons soit la première ville de l'Aisne à avoir fait confiance à des jeunes en service civique. Alors nous avons recours au service civique depuis 2014. Donc les raisons qui nous ont motivés, c'est de permettre justement à ces jeunes de leur mettre le pied à l'étrier par des services aux citoyens. Nous sommes dans un centre social de Soissons, quartier Saint-Crépin. Nous avons trois jeunes volontaires dont la mission est de faire participer des enfants à la réalisation de la décoration des halls d'immeubles pour Noël. Mon rôle de référent consiste à les aider à construire leur projet d'avenir et leur donner des pistes de réflexion, des pistes de recherche et leur donner l'envie de réaliser leur projet. Les jeunes ont tous des missions différentes, mais ils sont de temps en temps regroupés pour des missions générales. Par exemple, l'accompagnement dans les fêtes de quartier, l'accompagnement sur les collectes de denrées pour les différentes associations. Au niveau de leur formation aussi, ils ont des ateliers qui sont en commun et d'autre part, une formation spécifique au cas par cas. Au niveau de ces jeunes en service civique, ce qu'on cherche d'abord, c'est leur sens de l'engagement et leur motivation. Sur un CV, pour un emploi futur, c'est quelque chose de très important. Moi, je parlerais de don de soi et de mobilisation au service de l'autre. Est-ce que ça paye d'accueillir des jeunes? Oui, parce que depuis qu'on a des jeunes, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées. C'est pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire et qu'on rêve de faire. Sur 36 jeunes que nous avons pris depuis 3 ans, donc 12 par an, on a eu plus de 80% de sorties positives. C'est-à-dire que 80% des jeunes qui se sont engagés dans la ville de Soissons sont sortis avec une formation ou un emploi à la clé. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de dire à mes collègues élus de faire confiance à la jeunesse. La jeunesse est capable de s'engager et de se mobiliser pour les citoyens et pour le vivre ensemble.